Salut tout le monde, alors aujourd'hui on va tester un petit jeu que j'ai découvert, donc c'est Cooking Fever, on va voir ce que ça donne. Alors bonjour et bienvenue au Cooking Fever, je m'appelle Michel. T'es sûr que tu t'appelles Michel? Enfin bon, c'est pas très grave, et je suis là pour vous aider votre objectif. Eh ben je sais pas ce que c'est mon objectif, qu'est-ce que je sache moi? Mais l'autre elle se pose la question, enfin je peux pas te répondre quoi. Vous imposez comme le plus grand chef. Ouais, en faisant vos preuves dans différents restaurants, pointer l'écran, d'accord, si t'as envie. Alors tu me poses une question et tu y réponds toi-même. C'est fort ça quand même. Nous allons commencer par un petit fast-food qui ne paie pas de mine. Ah bah là, je suis désolé, mais bon, c'est déjà bien quand même, hein. Il est plutôt pas mal, à côté d'une bonne maison en plus. C'est parfait. Alors touchez ici pour y rentrer, bah c'est parti. Qu'est-ce qu'on va avoir? Depuis ce menu, vous pouvez voir les informations de base de votre restaurant, ouais. Mais nous y reviendrons plus tard, en attendant, mettons-nous au travail. Mais j'ai pas envie d'aller travailler moi. Qu'est-ce que tu me saoules? Oh, le chargement est plutôt rapide, ça fait plaisir. J'aime bien ce chargement comme ça. Pointez ici pour commencer. Ouais. Alors il fallait pas que je pointe, il fallait que j'appuie. Mais bon, c'est pas très grave. Alors, ça arrive de se tromper. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là? Tu veux un hamburger? Rien de plus compliqué. Alors voici votre premier client. Ouais, il peut un bon hamburger. Ouais. Ouais, mais comment je fais? Parce que je veux bien, mais ah, il faut que je pointe. Il faut que je pointe aussi. Et il faut que je cuise. La viande est en train de cuire. Non, jure, c'est vrai? Putain, merde, je pensais qu'elle était en train de refroidir, moi. La viande est cuite, faites-la glisser sur le pain. Bah, allez, vas-y, on est chaud. Bah, carrément. Je suis un professionnel, moi. Je pourrais devenir cuisinier. Votre hamburger est prêt. Faites-le glisser jusqu'au client. Ah ouais, genre, je lui balance à la gueule. Tiens. Elle est pas mal, celle-là. N'oubliez pas d'encaisser votre paiement. Ah ouais, oh, dis, je peux lui balancer à la gueule, quoi. Ah, c'est hallucinant. Alors, cette personne veut un soda. Ouais, bah si t'as envie, alors c'est où? Allez, clique là. Attends. Une fois vide. Ah, ok, d'accord, j'avais pas vu. Et ça aussi, je lui balance à la gueule là ou... Tiens, va bouffer. Va boire ton coup. Alors, ça veut dire que je peux pas préparer plusieurs. Bon, bah c'est parti, on fait tout ça. Ouais, d'accord, en fait. En fait, on peut pas préparer plusieurs. Plusieurs sandwichs. Mais peut-être que. Au fur et à mesure du temps. Ouais bah 2 secondes le papy là, c'est un grain de cuir là. Non mais tu sais, il fait style là. Non mais regarde sa tronche là, on dirait qu'il est en grain de purée, tu sais. Hey, je veux mon sandwich. Putain, c'est... allez vas-y, voilà. Ouais, moi je veux ma monnaie aussi là, attends. Ah mais tu veux les deux toi, mais t'es gourmand dis donc. Bah attends, t'as intérêt à bien me payer parce que sinon mon petit, je peux te le dire, ça va pas le faire. Hein. Allez, t'as intérêt à me donner max de... Mais 2 secondes, oh, t'as cru que j'avais... Oh, je suis pas un cuisinier professionnel, je viens juste d'ouvrir, ma petite. Tu vas attendre 2 secondes. Toucher ici pour acheter une amélioration. Eh, mais j'ai pas envie. Oh, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Vas-y, là, j'ai pas beaucoup de pognon, et vas-y que... Bande de bâtons. ah, d'accord, ok, bah, c'est pas de soucis. Donc, moi, il me faut pas une poêle, il me faut... Quoique... Quoi, mais si, c'est une poêle qu'il me faut. Mais ouais, mais oui, parce que ça sert à rien d'avoir plus de place pour les pains hamburgers. Bah non, parce que le pain hamburger en 2 secondes chrono, il est mis. Eh ben ouais, non mais... Ah, je suis Ah, mais 600, quoi. Ah ouais, 600 pièces, quoi. Oh. Bon, bah ça va être le but de la vidéo, atteindre 600 pièces. Allez, c'est parti. Alors apparemment, il y aurait plusieurs niveaux. Ah ouais, non mais bon, assez délirant quand même, hein. Tiens, tu veux pas une boisson plutôt? C'est gratuit, là. Allez, oh, c'est bon, je la passe gratuit, la boisson, là. Elle va refroidir après. Si ça, là, je te jure. Hein. Allez, allez, cuit. Mais ouais, elle est pas contente à cause de toi, là. T'es vraiment un steak nul, hein. Oh là là, il sait pas cuire, ce steak. Oh là là là. Allez, le steak. Mais non, regarde tout ce qu'il y a. Mais non. Mais vas-y, casse-toi, toi. Allez, vas-y, là, t'es pas content, je m'en bats le steak. Allez, hop. Petit jeu de mots. Bon, alors. Allez, mais tu vas cuire, sale steak. Merci. Voilà, j'insulte le steak, mais non. Sale steak, va. Espèce de steak de steak. Non mais s'il te plaît quoi, vas-y. Il met 2 ans, regarde, ils sont pas contents les clients là. Ils sont pas contents. Qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Je peux rien faire de ça moi. Après ils vont partir, ils vont aller ailleurs là. Hein, et on fait comment pour gagner du pognon après? Donc du coup pourboire. Ah j'ai eu des pourboires. Ah d'accord, c'est ça, c'est des pourboires. Je pensais que ça c'était de l'XP. Oh là 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 là. Hop, tiens, hop là, et un autre steak qui cuit. Mais ouais, mais on est comme ça nous. On prépare tout à l'avance, hop là, le mec il est à peine arrivé, il est déjà servi quoi. Ah ouais, mais attends, on est comme ça. Mais bon, c'est un peu long là, le steak là. Merci beaucoup. Allez hop, dégage toi, t'es moche. Apparemment, on a d'autres trucs là, apparemment.
Je sais pas ce que c'est, mais apparemment, quoi. Bon, les gars, on est quand même là pour découvrir un petit peu le jeu, quand même. Donc, du coup, je vous montre un petit truc. Donc, quand vous cliquez sur le machin, et bah, regardez là, ici, là. Hop, juste là, regardez, vous voyez ma souris, là. Hop, on clique. Et attention, qu'est-ce qui se passe? Et bon, on peut voir les améliorations. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir où c'est les améliorations, bah, c'est juste ici. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va acheter notre poêle burger. C'est un peu quand même ce qu'on avait prévu de faire dans cette super vidéo. Voilà, donc là, on a notre petite poêle en plus, ça fait vraiment plaisir. Une poêle en plus, comme ça, au moins, tu fais deux fois plus de steak. Et franchement, je pense que c'est un peu primordial. Donc là, après, vous avez le bouton là. C'est pour aller à l'autre amélioration. Parce qu'il y a deux améliorations différentes. Il y a pour les ustensiles et pour l'ameublement. Voilà. Donc, du coup, nous, ce qu'on va faire, alors, vous pouvez améliorer votre intérieur ici. Les clients auront plus envie de fréquenter votre restaurant. Ouais, bon, on s'en fout un petit peu le délire. Voilà, et donc après, on peut améliorer justement plein de trucs, là où il y a les trois petits points. Donc, commencer à installer, voilà, donc on va installer une petite TV, et hop là, c'est gratuit, donc on profite. D'accord, vous devez attendre que l'objet soit livré. Ah, d'accord, et donc si on veut que ça aille plus vite, il faut utiliser un diamant que j'ai pas envie d'utiliser parce que je suis... Mais non, je le ferai pas. Mais je m'en fous, moi, je vous dis à tout de suite. Voilà, donc là c'est terminé, tranquillou, hein. Mais non, mais je lui ai dit que j'utilisais pas le diamant. Bah non, moi je suis super économique, moi j'utilise pas les trucs pour rien, là. J'ai pas envie d'attendre, du coup, bah t'attends une minute, et puis voilà. Donc félicitations, grâce à cette télévision, votre client acceptera d'attendre leur commande 2 secondes de plus. Oh, je crois que là, on va faire rêver tout ce que tu veux. Alors si vous l'améliorez davantage, ils se montreront encore plus patients, mais c'est génial. Seulement, j'ai pas le pognon, donc ça risque d'être un peu dur. Voilà, donc sinon, il n'y a pas autre chose à faire. Ouais, donc après, voilà, il y a des boules à facettes. Ah, une boule à facettes. Bah, pourquoi pas, boule à facettes. Voilà, après, il y a des tables, c'est un peu primordial. Je me demande d'ailleurs pourquoi il n'y en a pas. Enfin, bon, c'est pas très grave. Il y a même des tabourets, ouais, pourquoi pas. Hein. Et là, encore des tables. Non, mais franchement, t'as pas de table dans ton restaurant. Mais le mec, mais... Mais j'ai même pas de table dans mon restaurant, quoi. C'est la base, mec, c'est la base. Ou alors, juste comme ça, petite parenthèse. Donc, si vous appuyez, là, vous voyez, quand vous allez sur un truc, là, vous allez sur un objet, hop, vous appuyez sur le petit i, comme ça, là. Et donc, là, vous voyez des statistiques, ou je sais pas comment on appelle ça, enfin, on s'en fout un petit peu. Et là, en fait, à côté, là, de, par exemple, temps d'attente des clients, durée, machin, enfin bon, vous voyez, il y a du vert et du orange. Le vert, c'est ce qui a déjà été amélioré auparavant, donc suivant ce qu'on a acheté, donc moi, c'était grâce à la télé. Et après, le orange, c'est ce que l'amélioration actuelle va améliorer. Ah ouais, non, mais tu vois, au moins, ça, c'est bien de prévenir, tu vois, pour savoir ce que ça veut dire, les choses. Voilà, donc là, en gros, en durée de pourboire, augmenter. Et eh ben je vais augmenter un petit peu, voilà, et là en temps d'attente aussi. Voilà, bon, c'est juste une petite parenthèse comme ça, et puis voilà quoi. Donc voilà, donc c'est une petite présentation du jeu, voilà, une petite découverte du jeu, pour voir ce que ça donne, franchement plutôt pas mal. Moi je l'aime bien, je suis content de l'avoir découvert quoi. Ah, franchement, je vais faire quelques vidéos dessus là. Oh, l'autre, je lui ai rien donné. Ah si, j'ai peut-être dû lui donner un hamburger, effectivement. Mais il m'a donné des sous du coup et tout. Enfin bon, voilà, donc moi je vais vous laisser sur ce. Franchement, on va se faire max de vidéos sur ça, parce que c'est assez délirant. Donc je vous dis à une prochaine vidéo, et puis n'oubliez pas, restez cool.